Est-ce que la loi dit que le fait de ne pas avoir son masque, on mérite automatiquement la mort? Au Congo Brazzaville, la force publique n'est pas au-dessus de la loi. Elle doit être soumise au contrôle judiciaire. Que les juges qui ont prêté serment rendent justice en toute indépendance et conformément à la loi. Et les policiers et les gendarmes, quand ils sortent du commissariat ou de la gendarmerie, c'est comme s'ils partaient à la chasse. C'est comme ça. C'est comme s'ils partaient à la chasse. Vous voyez les policiers et les gendarmes quand ils sortent du commissariat ou de la gendarmerie, c'est comme s'ils partaient à la chasse. C'est comme ça. C'est comme s'ils partaient à la chasse. Ils arrivent quelque part, dès qu'ils vous trouvent quelque part là, ça peut être dans un arrêt de bus, ça peut être dans un coin de la rue, ça peut être même devant votre parcelle. Et même quand vous allez fouiller pour rentrer dans votre maison, dans vos maisons, ils vont vous poursuivre jusqu'à l'intérieur de la maison. Ils vont aller vous prendre manu militari et vous embarquer dans la BJ. Et après, dès qu'ils vous emmènent là-bas au commissariat ou à la gendarmerie, maintenant c'est des amendes. Langage du genre à leur tenir tête. Lorsque vous allez commencer à les contredire, ils vont dire, ah, donc toi tu veux contredire la police, tu veux contredire la gendarmerie, bon, placez-le là-bas. C'est comme ça que ça fonctionne, donc des intimidations. Une fois que vous êtes intimidé, si vous avez l'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes obligé de donner. C'est comme ça que nos populations sont terrorisées. À mort, donc le fait de ne pas avoir son masque, on doit automatiquement mériter la mort. J'aimerais que le général Paul Victor Moigny vient m'expliquer ici. Est-ce que la loi dit que le fait de ne pas avoir son masque, on mérite automatiquement la mort? Au Congo Brazzaville, la force publique n'est pas au-dessus de la loi. Elle doit être soumise au contrôle judiciaire. Que les juges qui ont prêté serment rendent justice en toute indépendance et conformément à la loi. Vous voyez les policiers et les gendarmes quand ils sortent du commissariat ou de la gendarmerie, c'est comme s'ils partaient à la chasse. C'est comme ça. C'est comme s'ils partaient à la chasse. Ils arrivent quelque part, dès qu'ils vous trouvent quelque part là, ça peut être dans un arrêt de bus, ça peut être dans un coin de la rue, ça peut être même devant votre parcelle. Et même quand vous allez fouiller pour rentrer dans votre maison, dans vos maisons, ils vont vous poursuivre jusqu'à l'intérieur de la maison. Ils vont aller vous prendre manu militari et vous embarquer dans la BJ. Et après, dès qu'ils vous emmènent là-bas au commissariat ou à la gendarmerie, maintenant c'est des amendes. Thank you.
langage du genre allait obtenir tête. Lorsque vous allez commencer à les contredire, ils vont dire, ah, donc toi tu veux contredire la police, tu veux contredire la gendarmerie, bon, placez-le là-bas. C'est comme ça que ça fonctionne, donc des intimidations. Une fois que vous êtes intimidé, si vous avez l'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes obligé de donner. C'est comme ça que nos populations sont terrorisées. À mort, donc le fait de ne pas avoir son masque, on doit automatiquement mériter la mort. J'aimerais que le général Paul Victor Moigny vienne m'expliquer ici. Et les policiers et les gendarmes, quand ils sortent du commissariat ou de la gendarmerie, c'est comme s'ils partaient à la chasse. C'est comme ça. C'est comme s'ils partaient à la chasse. Est-ce que la loi dit que le fait de ne pas avoir son masque, on mérite automatiquement la mort? Au Congo, Brazzaville, la force publique n'est pas au-dessus de la loi. Elle doit être soumise au contrôle judiciaire. Que les juges qui ont prêté serment rendent justice en toute indépendance et conformément à la loi. Vous voyez les policiers et les gendarmes quand ils sortent du commissariat ou de la gendarmerie, c'est comme s'ils partaient à la chasse. C'est comme ça. C'est comme s'ils partaient à la chasse. Ils arrivent quelque part, dès qu'ils vous trouvent quelque part, là, ça peut être dans un arrêt de bus, ça peut être dans un coin de la rue, ça peut être même devant votre parcelle. Et même quand vous allez fuir pour rentrer dans votre maison, dans vos maisons, ils vont vous poursuivre jusqu'à l'intérieur de la maison. Ils vont aller vous prendre manu militari et vous embarquer dans la BJ. Et après, dès qu'ils vous emmènent là-bas au commissariat ou à la gendarmerie, maintenant c'est des amendes. Du genre à leur tenir tête. Lorsque vous allez commencer à les contredire, ils vont dire, ah, donc toi tu veux contredire la police, tu veux contredire la gendarmerie, bon, placez-le là-bas. C'est comme ça que ça fonctionne, donc des intimidations. Une fois que vous êtes intimidé, si vous avez l'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes obligé de donner. C'est comme ça que nos populations sont terrorisées. À mort, donc le fait de ne pas avoir son masque, on doit automatiquement mériter la mort. J'aimerais que le général Paul Victor Moigny vienne m'expliquer ici. Et les policiers et les gendarmes, quand ils sortent du commissariat ou de la gendarmerie, c'est comme s'ils partaient à la chasse. C'est comme ça. C'est comme s'ils partaient à la chasse. Est-ce que la loi dit que le fait de ne pas avoir son masque, on mérite automatiquement la mort? Au Congo, Brazzaville, la force publique n'est pas au-dessus de la loi. Elle doit être soumise au contrôle judiciaire. Que les juges qui ont prêté serment rendent justice en toute indépendance et conformément à la loi. Vous voyez les policiers et les gendarmes quand ils sortent du commissariat ou de la gendarmerie, c'est comme s'ils partaient à la chasse. C'est comme ça. C'est comme s'ils partaient à la chasse. Ils arrivent quelque part, dès qu'ils vous trouvent quelque part, là, ça peut être dans un arrêt de bus, ça peut être dans un coin de la rue, ça peut être même devant votre parcelle.
Et même quand vous allez fuir pour rentrer dans votre maison, dans vos maisons, ils vont vous poursuivre jusqu'à l'intérieur de la maison. Ils vont aller vous prendre manu militari et vous embarquer dans la BJ. Et après, dès qu'ils vous emmènent là-bas au commissariat ou à la gendarmerie, maintenant c'est des amendes. Du genre à leur tenir tête. Lorsque vous allez commencer à les contredire, ils vont dire, ah, donc toi tu veux contredire la police, tu veux contredire la gendarmerie, bon, placez-le là-bas. C'est comme ça que ça fonctionne, donc des intimidations. Une fois que vous êtes intimidé, si vous avez l'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes obligé de donner. C'est comme ça que nos populations sont terrorisées. À mort, donc le fait de ne pas avoir son masque, on doit automatiquement mériter la mort. J'aimerais que le général Paul Victor Moigny vienne m'expliquer ici. Et les policiers et les gendarmes, quand ils sortent du commissariat ou de la gendarmerie, c'est comme s'ils partaient à la chasse. C'est comme ça. C'est comme s'ils partaient à la chasse.